Le marché immobilier demeure à la hausse dans la région métropolitaine de Saguenay, tellement à la hausse que le prix médian d'une maison unifamiliale à 269 750 établit un record pour la région. Moins d'offres, plus de demandes, ça donne des prix qui sont quand même encore assez élevés pour la fin 2023. Que le marché allait ralentir, mais ce pas du tout le cas. Là. Au deuxième trimestre de 2023, le prix médian s'établissait à 255 000 le même niveau qu'à la fin de l'été 2022. Mais de juin à septembre dernier, ce prix a grimpé de 15 000 environ, une augmentation de 2 Premier surpris, en fait, là, parce que, on le sait qu'on pensait que ça allait baisser là, avec la hausse du taux là, des, pour les acheteurs, surtout. On pensait que le prix des maisons allait diminuer. Mais malgré le fait, dans notre pratique, on voit encore la surenchère. Euh, on voit encore des fois des maisons qui se vendent au-dessus du prix inscrit. Le nombre de nouvelles inscriptions a légèrement diminué ces trois derniers mois, mais les taux d'intérêt encore élevés... Incite davantage les ménages à favoriser l'achat d'une maison déjà existante plutôt que la construction. Quand le jumelé, là, à trois chambres, est rendu à 300 000 et que le terrain n'est pas fait encore, n'est pas terrassé, bien, ça vient déjà au-dessus du prix médian, donc. À 270 000 le prix médian du Saguenay est d'environ 100 000 inférieur à celui de Québec et de Sherbrooke et de 40 000 inférieur à celui de Trois-Rivières mais les acheteurs provenant de l'extérieur de la région ont diminué par rapport à ce qui avait été observé pendant la pandémie. Parce qu'il y a un petit peu moins de bordelots qui sont à vendre. Puis je pense que les gens de l'extérieur, c'est ce qu'ils cherchaient davantage. Là. Le marché devrait demeurer stable un certain temps. Nous autres, on, on se fait aux comparables vendus. Puis tant que les comparables vendus vont être élevés, euh, c'est sûr que le, le prix des maisons ne changera pas beaucoup. Là. Mais les analystes s'attendent à un retour à l'équilibre. Pour 2024. Ça veut dire que les maisons vont être un petit peu plus longtemps sur le marché, que les acheteurs vont avoir plus de temps pour visiter. On en voit encore de la surenchère et on va encore en voir en 2024. Par contre, on s'enligne probablement vers peut-être une baisse de prix, je dis bien peut-être parce que seulement l'avenir nous le dira. Le délai de vente dans la région demeure d'environ 45 jours. Jean Houl, TVA Nouvelles, Saguenay.